Mais... Oi. Vidéo en pause, division de l'audio uniquement. Tu 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 tu. Bah, elle est où la caméra? Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Pas de caméra. Vous pouvez vérifier l'affichage de la caméra sur votre téléviseur. Ok. Tut tut tut. Tut tut tut. Du 100% ça. Oh le bâtard. Oh le petit bâtard. Il y en a un là encore au sol. Mais en fait, c'est la bonne stratégie, mais est-ce que je peux pas choisir le... l'Angry Birds que j'ai? Moi, j'ai 3 étoiles, m'en bats les couilles. Parce que genre, il y a 3... Ah non, c'est que des jaunes. Waouh, c'est quoi cette dinguerie? Ah, c'est pas une dinguerie. Par contre, je pense que si je tire là en premier... Ok. Je suis bien raté. C'est de la merde. Mais pourquoi tout à l'heure ça... Bon, suivant. Pff,
Ah. Je vois un peu la strat, tu vois. Mais... Oui, Niga. Il a l'air d'avoir mal. Ah, mais il y a un connard là, d'accord. C'était pas l'idée en fait. L'idée c'est qu'il faut faire tomber ce truc là. Il faut pas qu'il explose en fait. Ah mais ce connard là-bas là aussi. Ah bah ça a marché mais bon. Techniquement, c'est pas ouf. Après, ça passe. Après, ça passe. Donc, l'un dans l'autre. Mais elle est en béton armé, cette structure, ou quoi? C'est ça qu'il fallait faire. J'ai pas 3 étoiles, je recommence. Je vois l'autre en train de sauter là et dire va te faire voir. Trois étoiles. Par contre, le jeu n'utilise pas trop les capacités du PSVR. Genre, ça vibre pas au niveau de la tête. C'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, mais... Ok... Que du caca! Mais... Bon, c'est marrant, mais sauf que ça marche pas bien en fait. Coucou.
Je sais pas qui parle. TG le robot. Si je suis au vieux, ça fait quoi? J'arrive pas à gagner. Non, ouais, c'est toi Amourante, ouais. C'est qui Amourante? Putain, c'est nul. Putain, j'y arrive pas. Attends, pourquoi je peux pas voir qui parle? Attends. Je crois qu'il faut que je sorte ma tête là, là. Voilà, il est où mon téléphone? Putain, il est en mode appareil photo. Je crois qu'en fait, je suis en train de nick tout. Non, vidéo mis en pause. Twitch, t'es où? Ah, oh, c'est pas. C'est pas le Apple Vision Pro, hein. Je sais pas, ce que je fais, ça sert à rien parce que, tu sais quoi, j'arrive même pas à lire. Aurel 4K, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Ah putain que c'est mal foutu pour AVR. Ah il m'a fait peur. Attends là je vais gagner. C'est Hermanti, voilà. Comment ça va, Hermanti? Ils ont pas eu l'idée de mettre le chat en VR. Ça se trouve, là, je suis en train de cadrer mes couilles, j'en sais rien, quoi. SST, t'as vu nos belles notes? Celles-ci sont gratuites si tu nous follows. Le chavier ne marche plus. On est aussi sur Kik. On a plein des modes géniales. Le chavier ne marche plus. Putain, pète les couilles. SST Bonka fonctionne. Le chat VR ne marche plus. C'est quoi le chat VR? Non, il n'y a pas de chat en VR en fait, c'est du son. Il y avait plus la voix d'Amourante. Ah, ça c'est la voix de la PS5. Mais que ta gueule, putain de truc de merde! Ah, la voix! Non, des fois, en fait, s'il y a trop de trucs en même temps, il dit pas tout. Bon, cette fois, je l'ai bien explosé la gueule, tu vois. C'est une question? En fait, techniquement, il est bien. Là, j'ai pas de pixels à l'écran. La définition est très bonne. C'est de l'OLED. C'est du. Il est très très bien, le casque. Maintenant, là, il y a un câble. Tu vois, le truc n'est pas calculé. Il chauffe pas aussi, puisqu'il n'y a pas de calcul qui se fait dans le casque. C'est juste un écran, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'il coûte trop cher. 650€ pour ça, Personnellement, je préfère acheter un Oculus Quest 3, un Meta Quest 3,
et jouer à Angry Birds VR. Et le seul jeu que j'aime bien, c'est les jeux comme ça, en fait. Les jeux comme ça sont vraiment cool, parce que c'est un jeu qui exploite vraiment la VR. €550 le MetaQuest 3, mais celui-là il coûte 600€. Il coûte 600€, mais t'es obligé d'avoir une PS5 à côté, tu vois. Et tu vois les jeux auxquels je joue, ça c'est un des meilleurs jeux du casque, et je rigole pas, hein. Le truc c'est que ça, tu peux jouer sur un MetaQuest 3 en fait. Même un MetaQuest 2, pour 300€, t'as un MetaQuest 2 avec 300 gigaoctets. Et tu pourras faire beaucoup plus de choses avec un MetaQuest 2. Même si il va être moins bien parce qu'il n'y a pas l'eye tracking et c'est pas de l'OLED dedans. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas regarder de vidéos porn en plus avec. Tu peux pas, justement, c'est ça le problème. C'est que avec l'Oculus Quest, tu peux, mais avec le PSVR, tu peux pas. Tu peux pas regarder de vidéos, tu peux que jouer à des jeux. Bientôt, avec la version PC, peut-être qu'on pourra. Putain, il y a deux bugs en fait. Donc c'est pour ça qu'il est pas ouf comme site, comme casque. Même regarder un film en VR, tu peux pas. Regardez du Netflix. Jouer à Netflix en VR. Le meilleur, Horizon Call of the Mountain. Mais c'est une démo technique le jeu. Hein. C'est celui qui est le plus impressionnant et en deuxième Gran Turismo 7. Je pensais que tu allais dire un regard. Lequel ? Ah, j'aime pas Resident Evil 4. Mais je comprends ceux qui aiment. Hein. Après, moi, ceux qui aiment, il me faut des gens qui jouent en VR pour de vrai parce que moi, la VR, ça me fatigue, par exemple. Genre, dans Resident Evil, tu vois, prendre mon arme, mettre les balles de neige, ça m'intéresse pas, en fait, tu vois. Du coup, j'aime pas trop. Je préfère des jeux qui sont prévus pour la VR. Comme ce jeu, il est totalement prévu pour la VR. Alors, graphiquement, il n'est pas super impressionnant. Mais, je trouve le jeu... Recharger une arme tranquillement. C'est utile pour la guerre contre la Russie bientôt. Ouais, bon, je suis en Martinique, hein, donc au pire, on va fuir aux USA, hein, un truc comme ça. Parce qu'on a l'octroi de mer, donc on pourra pas avoir les armes et tout pour aller se battre contre la Russie. Putain, mais je comprends pas ce qu'il faut faire. En fait, il n'y a que deux points de vue. C'est pas vraiment ce que j'imaginais, hein. En fait, il y en a trop. Ok, leur frontière, tu vas être le premier à aller au front avec moi pour défendre Macron. Ouais, je me suis assez entraîné dans Fortnite pour savoir qu'il faut que je me cache dans les buissons. Je connais mon aim, hein. Ah non, je sais, j'ai assez joué à Fortnite pour savoir que si je veux faire top 1 là, et pas mourir, faut que je reste dans les buissons. Mais t'as vu, il y a beaucoup de... Je fais quoi là? Je
développe des techniques pour faire rage avec l'adversaire de mon côté. On va voir que ça marche, hein, parce que les Russes ont rage quitte. Eh frère, j'arrive pas à péter ce truc. Bon, c'est tellement nul qu'on va recommencer, hein. Je pense qu'il faut péter ça avant, hein. Putain, c'est nul ce que j'ai fait. La dynamite ? Laquelle ? Celle avec le ballon ou celle avec le caillou ? T'as vu, j'ai l'impression que c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas ouf, hein. Et lui, il explose, en fait. Mais lui, tu l'as en dernier. Mais je crois pas qu'on peut changer l'aide, l'ordre. Tu vois, je peux pas changer l'ordre. Je me demande pourquoi ils ont fait que tu le... Tu vois, il se disparaît en fait. Ouais, et en fait, le jeu là est très très bien. Mais comme je disais, non, vaut mieux le prendre sur un autre support. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas trop mal. Hello, Alter Ego, comment ça va? Merci pour la fin de soirée, merci pour le coucou. Et j'ai les effets spéciaux à l'écran, ça coule les jeux VRPS5. T'as une lettre 3D. Attends, t'as une lettre 3D pour ton stream et j'ai les effets spéciaux à l'écran. Ouais. En fait, le stream... Je pense pas que les streams VR soient cool à regarder. Parce que là, en fait... Je pense que ce que vous voyez n'a pas l'air ouf. Mais en fait, quand t'es en VR, t'es vraiment immergé dans ton monde. Et tu vois, là, par exemple, je suis en train de regarder le cochon là-haut et je trouve ça cool. Oh. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, en VR, tu vois, ça doit pas être hyper intéressant à voir. Mais quand tu joues en VR au jeu, c'est trop bien. Parce que t'es dans un Angry Birds, en fait, tu vises réellement, en fait, c'est ça le truc. Soleil. Y'a un soleil là? Y'a pas de soleil. Oh là, il est nul à chier le soleil. Mais y'en a toujours un qui reste. J'allais pleurer. Ah là, ça me paraît pas trop mal. J'ai déjà essayé de dormir avec le casque pour l'expérience. On peut pas dormir avec. Putain, il est pas mort, cet enculé. On peut pas dormir avec. Il est trop gros, il est très épais. Pourtant, il a des lentilles pancake, mais il est plus épais que le MetaQuest 3. Là, je devrais y arriver quand même. Oh, j'ai la haine, hein. Oh!
Ah! Il y a le jeu où tous les gens vont tout dans l'univers méta pour discuter. Il y a un jeu pour tous les gens qui vont tous dans l'univers méta. Ouais, t'as le métaverse, mais il y a personne dedans. Tout le monde le déteste, le métaverse. En fait, le casque méta, je vais te dire. Allez. 80% des gens l'ont acheté pour sont des joueurs, ils l'ont acheté pour jouer. Et le métaverse, ça a été comme un gros fuck à la communauté gamer. En mode, maintenant vous créez un compte méta, maintenant vous créez un avatar, ça a forcé à faire tout ça. Et en fait, ça a, quand ils ont appelé tout ce qui est Oculus Quest, Meta Quest, ça a à la fois, ça a fait monter le casque PS, le casque Oculus Quest 2. Mais en même temps, ça a un peu détruit l'image de Meta, quoi. Enfin, l'image de Oculus, parce qu'Oculus n'existe plus de nos jours. Tu vois, maintenant c'est Meta. Et personne n'a envie, d'envie d'acheter un casque Facebook, quoi, tu vois. Ouais, t'as vu un reportage. Maintenant t'as combien de potes qui sont sur MetaQuest? Enfin, qui sont dans le métaverse de MetaQuest. T'as zéro pote. Si t'as personne comme pote, y a pas de raison que t'y ailles. Zéro, bah voilà, bah du coup quand tu vas l'acheter ton casque, t'auras zéro personne sur le MetaQuest, dans le métaverse, donc tu vas te balader dans un univers vide. Bah ouais, mais combien de personnes ont des... Moi, les gens dans mon cercle social sont dans ce genre de délire, et malgré ça, j'ai 4 potes qui sont dans le métaverse et on n'y va jamais. Pourquoi, au lieu d'appeler mon pote directement pour jouer à Fortnite, pourquoi je lui donnerais rendez-vous dans le métaverse pour me dire on va dans une salle du métaverse pour foutre mon casque, pour mettre mes deux trucs, pour me déplacer et dire coucou, on va jouer à Fortnite? Coucou, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, mais il est trop bien ton nouveau avatar. T'es en quoi? Ah, mais moi je suis en Chubby, regarde mes boobs. Et personne fait ça. Par contre, c'est un peu nul parce que les univers en fait ça change juste de décor. Il y a beaucoup de femmes apparemment dans le méta. Mmh. Apparemment. Parce que moi j'ai un méta quest. Hein. Enfin j'ai un Oculus quest aussi. Que j'utilise un peu moins pour jouer. Parce que... En termes de qualité d'écran et tout ça, le casque de Sony est quand même bien au-dessus. Mais le casque de Sony a l'inconvénient qu'il faut que j'aime la PS5 et surtout ça fait peur. Si je tire ça trop fort, je préfère jouer assis parce que si ça tu le tires, il est connecté au port USB type C de la PS5. Si tu le tords, si tu pètes, là ça c'est connecté au casque. Donc si tu pètes le câble, tu peux pas le changer et tu peux aussi péter le port de la PS5. C'est vraiment branlé avec le cul. Faut faire très attention. Il est très... Le casque lui-même n'est pas fragile, mais les connectiques sont fragiles. J'ai pas fait exprès. Par contre, je t'avoue que ce jeu, j'adore, tu vois. J'adore le jeu, mais je peux pas recommander à quelqu'un de prendre un... Je peux recommander à quelqu'un qui a déjà le casque d'acheter ce jeu. Oh merde. Ah mais il y a un truc là. Ah j'ai vu. Le casque d'Apple, c'est un casque d'AR.
Déjà en termes de jeu, il sert à rien. Il y a aucun jeu dessus. Et les mecs qui vont me dire, regarde, tu peux jouer avec la boule Siri, c'est pas un jeu. Les mecs qui me disent, regarde, tu peux jouer à tes jeux iPad. Excuse-moi, avoir un truc iPad dans l'air comme ça pour jouer à un truc DJ, c'est pas un jeu. Donc le casque d'Apple, déjà en jeu, il sert à rien. Ensuite, il sert à, si tu veux faire un grand écran, tu vois là, tu veux passer un grand écran, tu mets grand écran, et sur l'écran, tu tapes, pourquoi pas. Le problème, c'est que Apple dit que c'est un ordinateur spatial. Seulement, si tu veux faire du montage en Final Cut, il faut que tu achètes un MacBook, que tu ouvres ton MacBook, que tu lances ton MacBook, et que là, depuis le MacBook, tu fasses hop, ouvrir un grand écran et que tu fasses un écran au-dessus. Donc, ça veut dire qu'en plus de ton casque que tu as payé 3 500 €, il faut que tu achètes un MacBook à 1 500 € pour pouvoir l'utiliser en tant qu'ordinateur. Et quand tu vas dans l'avion, il faut que tu ouvres ton MacBook, que tu aies ton MacBook en plus de ton casque. Donc, à un moment, je veux bien. Hein. Le casque d'Apple, pour moi, c'est un gros écran. Voilà. C'est un gros écran. C'est de l'air. C'est un gros écran qui sert pas à grand-chose actuellement. Vu le prix, en tout cas. Ah si, il y a peut-être Angry Birds, en fait. Pour 3005. Déjà qu'à 1000 boules, je trouve ça cher, là, Angry Birds. Ou les Early Access, ou les développeurs. Ceux qui veulent voir à quoi va ressembler l'avenir. Mais en fait, je vois un truc dedans. Je pense que c'est l'avenir. Mais pas dans la forme dans laquelle on est actuellement. Yo, comment ça va? Attends, je vais regarder qui c'est. C'est qui? C'est qui dit yosh tout le monde? Alors, salut Roika, comment tu vas? Non, non, on est sur PlayStation. Allez vous faire foutre, putain. Oh! J'en ai plus qu'un à péter. T'as les rumeurs sur la PS5 Pro, elles vont me rendre folle. Elles vont me rendre fou, putain. Les gens, ils me saoulent avec. C'est un truc de ouf. Je crois que je vais faire une vidéo. En gros, déjà la rumeur, elle dit, alors je sais pas d'où elle sort du trou du cul, je ne sais pas qui, mais la rumeur, elle dit que la PS5 Pro, elle va avoir 30 teraflops, un truc comme ça, alors que la PS5 a 10.8 teraflops, alors qu'en fait, c'est comme la roguelite, c'est parce que quand tu codes d'une certaine manière, tu peux doubler les teraflops, donc la console, elle sera à 15 teraflops, voilà, et du coup... C'est des tests pour que les jeux en 1080p 60fps, ils tournent en 1440p 60fps. Et les jeux en 1440p 30fps, ils seront en 4K 30fps, voilà. Et les gens, ils s'excitent. Oh, ça va être trop bien, putain, mais je vais pouvoir jouer à Final Fantasy Rebirth. Rebirth en 60fps, 1440p. Achetez un PC, putain, si c'est ce qui vous intéresse. La console, elle va coûter 700 boules. Bah remarque, non, moi ça m'arrange parce que je vends des consoles, donc achetez, hein. Achetez. Non, mais en vrai, la PS5 Pro, je l'attends pas du tout. Moi, personnellement, c'était moi, je l'achèterais pas. Après, je suis partenaire Sony, donc je sais pas ce qui va arriver. Je sais pas ce qui va arriver, ça se trouve, je vais être sponsor dessus, donc je sais pas. Mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. La CSX, elle a 12 teraflops déjà. Hein. Comment tes commerçants Sony, donc tu vends? Écoute, moi, comme je dis, ça me dérange pas de vendre. Achetez des casques PSVR 2, même s'il n'y a pas de jeu dessus.
Acheter des PS Portal. Regardez, elle est là, ma PS Portal. Elle est où? Elle est là. Acheter des PS Portal comme ça aussi. Acheter ça. Ça coûte quoi? Ça coûte 230, 220, ça va. Mais achetez plus le... Ça. Achetez ça. Ça, c'est 600 euros. Ça fait bien rentrer dans les caisses. Encore, je dis ça, en vrai, je gagne pas grand-chose. Ouais, à plus belle presse, 200 euros. Mais le problème, c'est que le casque VR à plus belle presse à 200 euros, c'est un morceau de carton dans lequel tu mets ton smartphone pour faire l'écran. Oh! C'est pas mal, ça. Là, je le sens bien. Bon, c'est nul, mais bon, j'ai sécure. Vous êtes con avec vos plus belles price. Eh! Royka, commence pas parce qu'en Guadeloupe, je suis sûr que vous avez plus belles price. C'est quoi le bleu? Comment ça il braille par son absence de fun? Il est trop bien ce jeu. T'as déjà joué à Angry Birds? J'étais fan sur mon téléphone avant. Mais... Pour une fois que Roca n'a rien dit sur plus belle prise, il se prend une balle perdue. Attends. Ah merde, c'est Armenti qui a dit J'avais pas vu que c'est Armenti qui a dit que l'île qui... Je crois que c'est Royka qui avait dit le magasin qui nourrit toutes les... J'allais dire en Guadeloupe aussi, vous avez plus belle price. Fini les leader price. Oh, beau gosse. Beau gosse. Je peux pas les critiquer. Quoi, t'es sponsor par plus belle price? Ça serait un CSC. Eh, vous savez que j'ai toujours pas... je sais pas ce que ça veut dire CSC déjà. Et j'ai toujours pas eu le... Amazon Prime, tu peux gratuitement ou profiter d'une expérience sans publicité. Démoger pour embêter ton streamer. J'ai toujours pas fait le vlog plus belle price. Contre son camp. Ah, contre son camp, c'est ça. Luc Royka, elle aime pas le jeu. Hein. Pourtant, c'est un banger le jeu. Hein. 9,90 les gars, vous passez des heures et des heures à vous amuser dessus, comme des petits fous. Je comprends pas que vous aimiez pas. Waouh! Mais vous avez pas joué à Angry Birds sur téléphone par portable? La voisine a avoué qu'elle voulait m'envoyer une photo pour me surprendre. Photo de ses seins. Ah ouais, et ce genre de photo, genre c'est juste pour te surprendre. Je lui ai dit que j'avais aucun problème avec ce jeu. Tu m'étonnes. J'aime bien ce jeu moi aussi. Moi, il y a... Sur ta PS5 et tu passes ton temps à tirer des pigeons sur des tours. C'est nous qui ne te comprenons pas. Bah, j'ai tous les jeux sur PS5. J'attends Rise of the Ronin. PSST, t'as vu nos belles émotes? Celles-ci sont gratuites si tu me follows. Mais non, mais en fait, en PSVR... Attends, j'ai quoi comme jeu? Attends.
Vous, vous pourrez pas voir, hein. On est aussi sur Kiki. On a plein de modes géniales. Alors, il n'y a pas un truc jeu VR. J'ai Tetris Effect Connected, vous avez pas aimé. J'ai Cuties A Kid. Que je ferai pas en live parce que j'ai un peu peur. Je sais pas s'il y a les jeux Peggy 18 sur la console, c'est pour ça. Si, faut appeler Sony. J'ai Thumper. C'est tout. J'ai pas beaucoup de jeux. Ah si, mais j'ai Moss. J'ai Moss 2. Deux excellents jeux. J'ai Paper Beast. J'ai No Man's Sky. J'ai Tentacular, j'ai Saints Riders. Et là, cette fois-ci, c'est tout. En fait, c'est bête, ils ont pas fait une catégorie PSVR. C'est bon, je l'ai. Gran Turismo 7. J'ai Resident Evil 4. Resident Evil 4, Resident Evil Village. J'ai un truc qui s'appelle Down and Out. Depuis quand j'ai ce jeu-là? C'est un délire. Ok. Bon. J'ai un jeu qui s'appelle Down and Out qu'on a dû m'offrir. J'ai un jeu qui s'appelle Vegas Infinite. J'ai un jeu qui s'appelle Hubris mais qui était dégueulasse. Et Gazlers aussi qu'on m'a passé, mais imaginez, vous êtes crevé, vous êtes là, vous êtes assis sur votre canapé et vous avez envie de jouer à lancer des bombes sur des porcs. Ben voilà. Vous voyez, il a dit Booba qui veut dire boobs. Bon, par contre, j'avoue que c'est très bizarre. Oula. Ice Queen. Par contre, là, j'ai presque fini. Putain, je suis à la moitié du jeu. Oh. Quand j'arrive à la moitié, j'arrête. Vous savez comment je peux faire pour passer au stream sur mon PC depuis ma PS5? Sans tout recommencer, sans couper le stream. Ah merde. Oh remarque, c'est pas mal. Beat Saber, c'est Beat Saber, et oui, je l'ai sur mon... Je l'ai pas sur PSVR, mais je l'ai sur Oculus Quest. C'est un de mes jeux préférés. Mais je l'ai pas racheté sur PSVR. Franchement pas ouf. Hein. C'est plus là-bas.
En fait, je vois qu'il y a une bombe là, là. Mais... Bon, on va se contenter de ça. SSST. T'as vu nouvelle émote. Celles-ci sont gratuites si tu me follow. Bah attends, en vrai, il y a peut-être des trucs à travers ça, hein. Et qu'un m'explique ce qui s'est passé là. J'aime rien. Je suis dépité. Tu vas me dire le truc qui tient comme ça là. Quoi? Comment ça recommencer? Foutage de gueule. Elle a envie de pleurer, elle a envie de pleurer. J'aurais été déclenché sur la bestiole, j'aurais gagné. Au moins, assuré. Bon, allez, d'accord, j'ai fait que de la merde, hein. Là, pour le coup, c'est un peu dur. Waouh! Je me sens tellement... C'est tellement satisfaisant quand il arrive.
Est-ce que si je fais ça... Non. C'est genre vraiment nul. Je suis assez surpris de la nullité de la chose, quoi. Je suis assez surpris de l'efficacité de la chose. Waouh ! C'est une dinguerie. Est-ce que des petits, quoi? https://kick.com/otakalgmfr. On voit mal les relèves sur le stream. Salut Aurel 4K, ça va? Bah, on peut pas voir la 3D sur. On peut pas voir la stéréoscopie sur le stream. Comparé à ton casque, je pense. Oh putain. Bah non, mais en fait, on peut pas voir ce qu'on voit dans un casque VR. C'est impossible, en fait. À moins d'avoir un... Même avec un casque VR, vous pourriez pas voir ce que je vois, en fait. Vous pouvez que imaginer... Si vous avez déjà fait de la VR, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Mais sans casque, vous allez pas pouvoir comprendre les sensations qu'on a en fait. Il y a le son aussi qui est en 3D. Mais je vais pas recommencer en fait. Étoile, ça m'étonne. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. En vrai, les bombes, elles sont fortes quand tu les laisses dans le... Enfin, faut pas les exploser à la main. Oups.
J'en ai qu'un, quoi. J'espère qu'ils reviennent, je sais pas. En fait, c'est parce que lui devrait aller là-bas. Ensuite, lui. Là, c'était pas mal en vrai. Mais. Mais en vrai, va te faire foutre le jeu. Très déçu de la réaction. C'est vraiment nul, putain! Je vois pas comment... Ah, pas mal, mais... Je voulais terminer. Mmh.
Clairement là je tiens un truc. Oh putain. Je vois pas comment faire. Ça va te faire voir le jeu. Je comprends pas pourquoi il explose pas. Je reste persuadé que c'est de ce sens. Il en reste un. Non, j'ai réussi! Ouf! Ah.
Parce que genre là j'ai perdu quoi. Trois étoiles. Mais les niveaux ils sont hardcore. Attends. Les ballons pour faire tomber la bombe. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Mais j'ai que deux étoiles. Ah, il y a le boss. Ça me paraît étrangement facile. Ah, d'accord. En fait, les petits, ils sont chiants. J'ai que les petits. Et comment il a fait pour s'accrocher? En vrai, ça va peut-être le faire. Hein. J'étais juste en train de tester des trucs. Ah non, il y en a un là-haut. Ouais, en vrai, faut faire une espèce de chute en chaîne, quoi. Peut-être si on peut être plus par là. Bon, on peut faire un truc genre... comme ça. Tu viens de dire que le truc, le bail, ne tombe pas, quoi. Ah, va te faire foutre le jeu. Mais comment ça peut tenir?
J'ai récupéré les œufs. J'ai récupéré des œufs. Du coup, on a 4 niveaux effrayants. Et après ça, j'aurai fini le jeu. Il est cool, mais tu vois, je commence à avoir mal à la tête. Parce que ça sert trop fort, le casque PSVR 2. Let's begin, hello tout le monde. Commencez à va.